Yo les gens sur Ouvrage, j'espère que vous allez bien, pour faire ça vraiment super bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là on est de la suite directe de l'épisode précédent, parce que j'ai fait le truc en off, parce que ça m'avait en pété. Et juste laissé juste après, j'ai réussi. Bref, donc voilà. On se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode 21 je crois, je suis pas sûr. Bref, oui, non c'est pas le Yeti quand même. Les gens, c'est le Yeti. C'est stylé, c'est stylé. Bon, on l'a juste vu, on a pas pu le... Enfin, j'ai vu au loin, on peut pas le rapprocher. À moins qu'il y ait un DLC. Mais je veux pas me le prendre. Félicitations, tu es l'homme le plus vénard que je connaisse. Je t'ai cherché pendant une semaine en territoire ennemi. Heureusement qu'on t'a trouvé avant que tu meures de froid. Où est Sabal? Probablement en train de faire ce qu'il fait de mieux. Assis dans le noir à prier ses dieux morts pour que tu reviennes. Ça fait 3 jours que je veille sur toi, mais tu es réveillé et ça a l'air d'aller. Il faut que j'y retourne. La guerre n'est pas terminée. Sabal a au moins raison sur un point. Le Sentier d'Or a besoin de toi. Je suis ravie que tu sois de mon côté. Je pense pas qu'il y aurait une histoire d'amour entre Amita et Jay. Très sincèrement. Je pense vraiment pas. Bon. Il n'a jamais regardé en bas. Voilà, en plus on est dans l'acte 3, tranquille. On est dans le comptoir. Oh, 117 000. Ah oui. Ouais. Alors il y a quoi ici dans les armes spéciales qui ont été débloquées? Ah, le prédateur était débloqué. L'AMR. 23 postes, encore 9. Les armes de base. La PK-116, ok, a été débloquée. Oh, fusil de chasse. Bref. On va sortir, on va économiser pour avoir une autre arme. Oh non, bien, j'ai une idée. J'ai une bonne idée. Peut-être pas la meilleure, mais une bonne idée quand même. Ça peut se tirer. Mise à niveau inférieur, contrebande. Ce qui était fait pour la bifurme. Vous trouverez... La guerre est bien meilleure. Éclairage intérieur, décoration d'armes enclos. Ouais. Bon, on va rien mettre. Et on va aller faire la quête Sentier d'Or. Qui se trouve où? Où est cette quête? Allez, ici. Hop. Je sais pas si c'est plus vite de se téléporter. Ouais, ce serait peut-être plus vite de se TP ici. Hop. Bon, je sais que c'est pas du jeu, mais bon. Quoique, c'est une option qui est dans le jeu. Mais bon, sincèrement. Pourquoi se priver d'une option qui est donnée? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu sa balle. Et là, je pense que c'est encore une quête avec choix, parce que c'est une quête Sentier d'Or. Et les deux quêtes Sentier d'Or qu'on a faites, il y avait un choix, donc... Oh putain. Sérieux, Ali qui me fonce dedans. Bon. On va aller là-bas. On s'en fout de nos alliés. En fait, Pagan, c'est pas limite, il a presque tout fait pour éviter qu'on meure. Et dans le fond, si quand même.
Parce que sinon il aurait pu nous exécuter dans la prison. Parce qu'on a quand même détruit ses avant-postes, tué ses soldats, etc. Mais il nous a gracié entre guillemets. Et il a dit à Yuma de faire attention à nous. Donc en fait je me demande si je me demande vraiment si Pagan serait pas le père d'Edge. Théorie bizarre hein. Mais si Pagan ne serait pas le père d'Edge. Mais genre sa mère et Pagan ils auraient eu une aventure, sans faire exprès ça aurait mal tourné et puis ok d'accord. Et donc en gros maintenant Pagan et Edge était le fruit de l'union de Pagan et Ishwari. C'est une théorie bizarre hein, mais ça pourrait être viable vu qu'on sait que Ishwari et Pagan étaient très très proches. Et que Mohan voulait tuer sa mère. Que Mohan voulait tuer Ishwari. Oh, ça veut dire qu'il y a des ennemis. Voilà. C'est bon. MDR. Alors y'a quoi là? Tu ne vaux pas mieux qu'un dealer. C'est tout ce que tu es. Tu sais qui tu me rappelles? Oh oui. Pagan. Ah, je suis comme Pagan, tout ça parce que j'ai des ambitions pour le Kirat. Réfléchis, j'essaye de nous sortir de tes conneries de tiers-monde. C'est notre histoire, notre culture, nos traditions. Des traditions? Comme quoi? Marier les petites filles, c'est ça? C'est ça ton projet pour Badra? Oh, mais vas-y! Vas-y, montre à Edge ce que c'est, un vrai mâle! Je ne jouerai pas à ça avec toi. C'est au tour de Noor. Là au moins on est d'accord. Elle n'a pas eu le choix. Pagan a forcé Noor à faire tout ça. Il tenait sa famille. Et elle, combien de familles elle a tué pour sauver la sienne? Ses motivations, ça ne compte pas. Elle va payer. Comme tous les autres. Pour Noor, je déciderai moi-même. Donc en fait, il me demandait de tuer Noor ou non. Ah ouais, quand même. Enfin, calmez-vous. Hein. Il n'y a pas un point où je peux me TP. Ah ben, Shanat. Comme ça, l'épisode durera un peu plus. Il y aura un petit peu plus de. Comment dire? De quête que de trajet en véhicule. C'est pour ça que je me téléporte en fait. Juste vraiment pour ça. J'aime bien aller ici. Je sais pas, j'aime bien. C'est un beau décor. Et j'ai tout le temps des chutes de framerate ici par contre. Tout le temps. Ouais. On va entrer dans les coulisses. Ça s'étend jusqu'à là-bas. C'est qu'il y a un truc. Ouais, je vais pas pouvoir rentrer par là. Bon, passe au plan B. Vous voulez qu'on part où? Mais comme on avait dit, on n'a pas un pass VIP pour les coulisses. C'est bizarre ça. Bon, comment on accède là-haut? Je pense qu'il faut remonter. Faut aller par là. On peut pas parler. Mais je vois pas comment on... Ah, si, il y a un grappin. Donc s'il y a un grappin de là, c'est qu'il y a un grappin autre part. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Faut s'éloigner. On va essayer de monter tout en haut de la montagne. Voilà. Pour ça. Et on monte par l'aération. Ah, il ne me demandait pas comment il fait pour entrer dans la ventilation. Je dis ça, je dis rien. Bon.
J'espère qu'on aura bientôt un accès pour le nord. Ok, donc faut aller là-bas. Je sais pas s'il va falloir la buter ou non. Ah ok, faut aller dans l'arène. Non, c'est pas l'arène. Je n'ai la salle des commandes. Hop. Ce mec qui va dans l'arène. Ah là, nous, où tu es là. Bon, bah les gens. Les gens, je vais pas trop vous laisser le choix. J'aurais bien aimé vous laisser le choix dans les commentaires, mettre on la tue ou on lui parle. Mais après tout ce qu'on a dû la faire, après tous les gens qu'on a dû tuer à cause d'elle, qui n'avaient pas mérité, juste pour sa famille. C'est par vengeance pour toutes les personnes, même si elles étaient mal, de la tuer. Je raisonne comme ça. Mais Pagan, admettons si on doit tuer Pagan à la fin du jeu, ou tuer Amita, ou tuer sa balle, eux je les tuerai pas. Parce qu'ils défendent une cause. Bref. Ouf, tu te calmes. Oh merci Tio, tu m'as aidé. Attends, je crève. Bon, ok. Il n'y a pas une compétence pour se régénérer, pour soigner plus vite. Parce que. Enfin, mettre une bande ou. Voilà. Voilà, ça va plus vite avec cette arme. J'ai fait une connerie avec le tigre là. Faut le buter une seconde, hop. Voilà. Voilà. Bon bah je raisonne comme ça, hop. S'il faut tuer Nour, bah je tue Nour. Par contre, si on peut choisir un moyen de la tuer, au couteau. C'est au couteau que je la bute. Ouais, ok, même pas au couteau. Voilà. C'est bon. Désolé de pas vous avoir laissé le choix ou bien quoi, mais il fallait. Il le fallait. Voilà. C'est bon. Le messager doit mourir. Et de deux. Qu'est-ce qu'on avait déjà buté? Ah oui, c'est vrai, Paul. On avait buté Paul. Je crois. Non, qu'est-ce qu'on avait buté? Parce que ça met et de deux. Dans le cas de Yugi, Reggie disponible. Ah bah cool. Ah. Amita, c'est fait. Nour est morte. Bravo, Edzé. On tient complètement le sud maintenant. T'as montré au peuple qu'il doit suivre la voie de la liberté. Il est hors de question qu'on recule. Quoi que puisse en dire Sabal. Donc voilà. Donc c'est sur ce message d'Amita qu'on va se laisser. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Si c'est le cas, likez, partagez et surtout abonnez-vous pour nous suivre. Et donc voilà. Allez, à plus tout le monde et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu.